messieurs, bienvenue sur notre... Bienvenue sur notre plateau de télévision Super TV. Aujourd'hui, nous sommes venus vous présenter notre toute dernière émission de télé-réalité qui nous vient directement de la Savoie avec de la bonne cuisine, du suspense et des îles du Pacifique. Avec des dangers et de l'aventure. Mais surtout, beaucoup de fromage. Nous sommes très fiers de vous présenter Survivant Wattlet. Mais mon cher ami, qu'est-ce Survivant Wattlet? Mais tu le sais très bien. Moi oui, mais nos téléspectateurs. Bien sûr, il suffisait de demander tout de suite. Eh bien, oui. Alors, quoi? Explique. Eh bien, cette émission de télé-réalité est très simple. Nos candidats vont être introduits dans une île déserte avec rien d'autre pour survivre que du fromage à raquette et des patates. Vous voulez dire qu'ils seront nourris? Non, ça serait trop simple, parce que nous ne leur confierons que des ingrédients de la raquette, mais aucun ustensile permettant de les cuisiner. Les inventeurs de cette émission se sont vraiment raclés la tête, dis donc. Mais ce n'est pas dit. Ah oui? Nos candidats aventuriers devront aussi chercher dans la jungle de quoi faire cuire des pommes de terre et fondre du fromage à raclette. Mais dans quel but? C'est très simple. Lorsqu'un candidat réussira à cuisiner une raclette, vous et moi y goûterons avant de définir qui a fait la meilleure raclette. Et comment vous y faire? Eh bien, c'est très simple. Lorsqu'un aventurier cuisinier réussira une épreuve de survie. Réussira une épreuve de survie, ils auront le droit à une petite aide pour les avantager. Vous voulez dire qu'ils seront aidés? Et comment? Quel genre d'aide? Des cornichons ou de la charcuterie? Bah oui, pas de bonne raclette sans cornichons ni charcuterie. Et pas d'émission de qualité sans enjeu, car tout au long de l'émission, les téléspectateurs pourront envoyer des messages surtaxés pour envoyer de l'argent à la production grâce aux messages surtaxés. Et la somme réunie sera le prix remporté par le vainqueur de l'émission. Alors, mesdames et messieurs, soyez généreux pour nos candidats. Mais d'ailleurs, où sont les candidats? Bah, on les verra dans la prochaine émission, lors des interviews. J'ai hâte de les découvrir. Vous aussi? Mais moi, je les connais déjà. Oh là là, je parlais aux téléspectateurs. Mais ils sont derrière leur télé, ils ne peuvent pas vous répondre. Oh, laisse-moi faire mon boulot, s'il te plaît. Rendez-vous la semaine prochaine pour les interviews. À vous les studios. Vous m'avez demandé? Ah, vous êtes là. Alors, c'est très bien. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, j'ai quelques doutes sur l'émission, sa présentation et des résultats. Que voulez-vous dire? Apparemment, vos deux animateurs n'ont pas réussi à convaincre le public. Pourquoi? Les gens qui regardent la télévision? Ah, les gens qui regardent la télévision, vous savez, ils sont un peu bêtes. D'un autre côté, les effraient. Mais vous verrez que quand le show aura commencé, ils seront là. Et ils seront fans, je vous le garantis. Vous êtes bien sûr de vous? Et comment que je suis sûr? Comment résister au mélange parfait entre Coco Manda et la raclette, un des plats préférés des Français? Vous savez, sur cette île, il fera chaud. La raclette est plutôt un plat d'hiver. Mais c'est là que j'ai mis. Vous verrez que bikini et fromage fondu, c'est le rêve absolu. C'est pas mal ce soir. Qu'est-ce que c'est que ce concept à noix de coco? Oui, rigolo sans doute. Mercredi du 62. Et pourquoi pas une émission? L'amour est dans le narwhal quand on est sur le... Ça pue ton concept. Mais cette idée, cette personne est un génie. Je vais déposer les droits de cette idée pour l'année prochaine. MDR le 34. Nul! Vu ça? Nul. Cette personne n'a pas d'inspiration saison. Sans compter ceci, avez-vous déjà entendu parler du Front de Libération?
démonstration contre la maltraitance des légumes en boîte. Les FLCMIP sont des fous, des extrémistes qui morcellent depuis ma dernière télé-réalité sur Fort Pesson. Qu'est-ce que c'est ça encore? Ben, c'est comme Fort Boyard, mais avec du gasoil. Oh oui, du gasoil. Quel intérêt? Quand les candidats se faisaient poursuivre par des animaux, ils pouvaient leur lancer des saucisses et des haricots pour se protéger. Et ça marchait bien? Non, au bout de deux émissions, les tigres étaient obèses. Ils mieux que les candidats. Et sans compter qu'avec les haricots, ils avaient du gâteau. Un pays de fond de 200 kilos, c'était pas très intéressant. Bref, suite à ces démissions, le FLC-MLB essaie de censurer mon travail en mettant des commentaires néfastes sur mes émissions. Je dois vous avouer que je ne suis pas rassurée. Tous ces avis négatifs. J'ai investi beaucoup d'argent là-dedans, vous savez. Mais si l'émission ne fonctionne pas, vous devrez me rembourser. Non, vous savez, monsieur le producteur, un buzz, c'est un buzz quand même. Vous êtes sûr de vous? Regardez la télé. Non, j'y travaille. C'est pas pour la regarder en rentrant chez moi. Et si vous regardiez la télé, vous verrez que plus on parle d'une émission en badeuse, plus elle fait de l'argent. Vous êtes sûr? Et comment que je suis sûr? En plus, s'il y a une polémique importante, alors là. Une polémique importante? Oui. Avec les libérateurs en concert? Parfaitement. Je suis moyennement convaincu. Néanmoins, je vous fais confiance. Mais si je n'ai pas de résultat, je vous préviens, j'annule tout. Même s'il faut tout arrêter avant la fin. Entendu, monsieur le producteur. Oh, ben, je l'ai échappé belle, hein. Extraordinaire entre la jungle et le fromage fondu. Vous avez été très 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 nombreux à envoyer vos candidatures, va-t-on dire. Sans plus attendre et sous vos applaudissements chaleureux, voici notre premier candidat. Merci. Bonjour, comment vous appelez-vous et que faites-vous dans la vie? Je suis Michel, mon métier est pas meilleur de crevettes. Très bien, et pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous faites cette mission? Eh bien, je suis un expert de la crevette, c'est simple, j'en fais partie. Sur cette île déserte, je pourrais me rendre très utile. Vous voulez dire faire une raclette aux crevettes? Bien sûr, ce sera formidable. Vous verrez, vos jus seront subjugués par mes crevettes à la crevette. Vous semblez sûr de vous. Et si vous gagnez le premier prix, quelle couleur de vous? Oh, je ne couvre vraiment sur l'argent, mais plutôt sur la célébrité. Que voulez-vous dire? Eh bien, après cette émission, je serai célèbre. Et donc, je pense que je pourrais acheter un restaurant et être le premier restaurateur à proposer de la raclette aux fruits de mer. J'aurai un succès fou, c'est là que je deviendrai riche. Eh bien, c'est très ambitieux, dites-moi. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, monsieur Robert, je suis au chômage actuellement. Merci, Robert. Alors, qu'est-ce qui vous motive pour cette émission? Eh bien, moi, c'est le défi de la jungle. Vous ne vous intéressez pas à la crevette? À la raclette? Eh bien, je vous avoue que je suis allergique aux lactoses. Mais comme il n'y avait plus de place pour Coco Manta, j'ai tenté ma chance ici et j'ai réussi. Et vous avez des atouts pour... Et vous avez des atouts pour cette émission? Bien sûr, j'étais scout pendant 3 mois. La nature, ça me connaît. Ah oui, pendant 3 mois? Oui, j'ai dû arrêter le scoutisme à cause d'un bouquet au plan qui a révélé mon allergie. Mais j'avais déjà tout appris de la nature. Très bien. Et bien, nous verrons ça. Et pour la raclette, alors comment t'allais faire? Eh bien, je vais sur mon entraînement. Si je gagne les bonus aux épreuves de survie, ce sera facile de faire une raclette et gagner un prix. Et
si vous gagnez de l'argent, qu'allez vous faire? Eh bien, je m'en servirai pour ne plus avoir à travailler toute ma vie. Comme ça, je pourrai vivre des aventures en pleine nature toute l'année. Mais... Vous pensez que ce sera suffisant? Bien sûr, quand on est des premières comme moi, la nature suffit à tout besoin. L'argent sert juste à être utilisé à acheter le matériel nécessaire et laisser son temps en petite ligne. Mais si vous êtes chômeur, comme vous dites, comment si ce serait la chômeur? Que voulez-vous faire de toute cette... Mais que voulez-vous faire de tout cet argent si vous gagnez? Eh bien, d'acheter une maison remplie de fromage. Remplie de fromage? Oui, j'adore le fromage. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y en a jamais assez. Vous savez, pendant la guerre, je m'en fichais un peu des envahisseurs. Mais si on me privait de fromage, j'étais capable de tuer. Et qu'allez-vous faire? Mais qu'allez-vous faire? De tout ce fromage. C'est un projet. C'est un projet de vie très intéressant, Gilberte. Je vous souhaite bonne chance. Merci. On l'a bien compris, mais que faites-vous dans la vie? Je suis... Je vais dire bonjour à ma maman qui me regarde. Bonjour maman, C'est très bien de saluer votre famille, mais alors que faites-vous dans la vie? Je suis... Bon, on enchaîne. Qu'est-ce que vous ferez de tout cet argent? Bon, on verra ça après l'émission. Et nous avons un dernier candidat. Qu'est-ce que tu veux? Vous êtes sur Supercoolé, vous avez eu la chance d'être sélectionné parmi les candidats. Félicitations. Non, moi, un type miseur m'a dit de venir pour l'interview. À la base, j'allais juste faire fréquent. C'est comme ça sur Super TV, vous n'êtes pas au bout de surprise. Oui, d'accord, mais... C'est formidable, vous acceptez? Alors que ce candidat, ce matin, allait juste chercher le pain. Il est d'accord pour se lancer dans l'inconnu. Et il va se lancer dans l'inconnu. Vous êtes un chose dont il ne connaît rien. Et oui, mais ma famille n'a pas d'autre candidat. Quel courage. Quel courage, quelle force de saluer votre famille. Vous n'êtes pas prêt de les revoir. C'est un malentendu, C'est un malentendu, Il est bête. Voici la présentation de notre équipe HEV. Vous avez hâte comme moi de les voir la semaine prochaine à l'action pendant les épreuves de survie. C'est vous. Ça m'épuise tant de bêtises. Super TV.
Alors, nous sommes ici pour vous présenter notre première épreuve et nos candidats sont hyper chauds. Ils ne savent pas encore ce qu'ils leur attendent. Alors, comment se déroule cette première épreuve? Je l'attends le pied ferme. Le plus dur pour moi sera de trouver mes crevettes, mais une fois réussi cette première étape, tout ira bien. Il est extrêmement motivé. Et vous, qu'en pensez-vous? Il n'y a aucune chance face à moi. La survie, ça me connaît. Je vais tout rafler. Elle ne se laissera donc pas faire. Eh bien, moi, j'ai un peu mal au dos. Mais je suis impatiente de connaître l'épreuve du jour. Chaque chose en son temps, Gilberte. Alors, Paul... Comment pensez-vous? Alors, comment vous avez réussi? Oui, moi. Je vais dire bonjour à ma maman qui me regarde. Et vous, qu'en dites-vous? J'ai trop été les mêmes enfants, je n'ai pas pour être émue. Je veux rentrer chez moi. Ah, quel humour! Non, mais c'est pas une blague, c'est du kidnapping, je veux rentrer. Je vois que notre candidat est chaud bouillant pour la première épreuve. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, aujourd'hui, c'est le premier jour de l'aventure et notre candidat vient de découvrir un nouvel environnement. Alors, ils ne savent pas ce qui les attend, car aujourd'hui, pour la première épreuve, ils devront trouver comment cuisiner leurs ingrédients. On leur a distribué des patates et du fromage, à eux de réussir à les cuire. Mais comment vont-ils faire? C'est à eux de voir, car ils n'ont que 2 heures pour réaliser ce défi. Début de l'épreuve dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Mais que faites-vous? J'attends. Dans 2 heures, je n'aurai rien à faire, du coup, je serai éliminée d'office. Mais dans ce cas, comment allez-vous faire pour manger? Vous n'allez pas vous laisser mourir de faim tout de même. J'espère bien que la production ne me laissera pas mourir de faim et ne me rapatriera si je suis en vrai danger. Nous verrons bien cela. Et vous? Qu'en pensez-vous? Eh bien, je suis perdue. Perdue? Oui, visiblement, nous sommes sur une île déserte. Effectivement. Cela me pose 3 problèmes. Lesquels? Premièrement, il n'y a pas de magasin pour acheter la première raquette. C'est le but du jeu. Et de plus, deuxièmement, même s'il y avait un magasin, il n'y a pas de prise électrique pour brancher l'appareil. Mais ce qui me dérange le plus, c'est le troisième problème. Ah oui? Lequel? Votre caméraman ne me filme pas. Il faut que tu me filmes si je veux devenir célèbre. Vous êtes malin. C'est mon projet. Posez-moi une question sur les toilettes. Vous voulez parler de toilettes? Oui, bien sûr. Oui. Oui, les toilettes élèvent ma vie. Chers téléspectateurs, tenez bien, les toilettes sont formidables. Et la raclette dans tout ça? Je prendrai 2 tranches de raclette, je mettrai 2 fois de toilettes de l'intérieur et voilà. Dessus, vous m'avez fait. Et la patate? Je n'y avais pas pensé. Ah, ben nous vous laissons y penser alors. Alors, où en êtes-vous? Eh bien, je veux faire un feu. Je vais vous le dire, mais je ne dis pas de bosser. Un feu, effectivement. Enfin, un candidat qui semble chercher la bonne solution. C'est évident, mais il y a un souci. Lequel? Je n'ai pas pu m'empêcher. Vous empêchez de quoi? Mais c'est super ça! Tous les grands cuisiniers goûtent leurs plats avant de les préparer. Oui, mais ils ne sont pas dans la chocolateuse. Vous voulez qu'on appelle l'équipe médicale? Non, mais si vous devez partir chez Mayer, ce serait cool. Pourquoi? Effectivement, nous allons vous laisser. Et vous, Gilbert? Non, j'ai déjà marché de là-bas jusqu'ici. Mais avec ma pierre, elle marchait dans le sang, mais pas chaud. Alors, Paul, mon petit Paul, ça se passe? Laissez-moi tranquille! Alors, quelle est votre stratégie? Je déteste mon film pendant que je travaille. Mais c'est un jeu télé, Paul! Ah oui, la télé. Bonjour à toi, maman, et à tous les copains du collège, du lycée, du travail et de... Oui, on a compris, Paul. Alors, je vois que tous nos candidats sont chauds bouillants pour la première fois. Oui, on peut dire que le suspense est à son comble. Alors, avant les résultats, nous vous laissons avec une courte page de pub. Et à tout de suite sur Survivant ou Marquette. À vous les studios.
un flop complet. Je viens de m'entretenir avec la direction de Super TV. Ils veulent annuler le show tout de suite. Mais pourquoi? Votre émission est un gouffre. Eh bien, il y a plusieurs choses. La sécurité des candidats est un problème. Mais tout le monde va bien. On n'est pas une grand-mère sur une île déserte. La pauvre a déjà fait une insolation. On a failli la perdre. Mais ça, parce qu'elle est psychée. Il y a pire encore. Quoi donc? La famille de votre cinquième candidat a porté plainte pour enlèvement et séquestration. Franchement, au départ, je pensais que c'était une blague, ce personnage-là, malgré lui. Mais tout le monde s'inquiète. Nous risquons la prison. Séquestration? Mais elle est toute la journée dehors. Il n'y a rien que je puisse faire. Elle me dit, il y a bien quelque chose qu'on pourrait faire. Laquelle? Votre mission coûte trop cher. Il va falloir virer quelqu'un. Peut-être qu'à cette fonction, je pourrais négocier avec Super TV. Mais virer qui? Je ne sais pas, votre caméraman, votre technicien, pourquoi pas. Mais son technicien son, pas de son, et son caméraman, pas d'image. Débrouillez-vous. J'ai convoqué votre équipe. Ils arrivent, vous avez 5 minutes pour faire votre choix. Très bien, on se coachera la caméra au micro. Vous m'avez appelé? Non, enfin oui. Que puis-je faire pour vous? Je suis dans une salle de sûre. Pourquoi? Je suis obligée de tenir. Quoi? Mais pourquoi? Ben, comment dire? Faut réduire les équipes, l'émission coûte trop cher et Super TV veut tout annuler. Et faut virer quelqu'un. Pourquoi moi? Tu sais, tenir un micro toute la journée, c'est pas si difficile, hein. On va le scotcher à la caméra. Quoi? Vous allez me remplacer par un bout de scotch? C'est scandaleux, c'est dégradant, une insulte à mon métier. C'est comme ça. C'est comme ça. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Je vais appeler les syndicats, ils sauront vous faire payer cette insulte. Oh non, pas les syndicats. Oh que si. Vous allez payer cette insulte. Ils sauront vous faire payer cette insulte. C'est bon, calme-toi. Non, je ne me calmerai pas. Échange d'avis, je vais virer le caméraman. Il filme mal de toute façon. Mais qui va filmer? Bah toi, on va scotcher la caméra au micro. Bien sûr. Vous m'avez remarqué? Oui. Vous voulez me dire quelque chose? Délivré. Quoi? Ah, pas de discussion. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pas de discussion, c'est comme ça. Tu veux filmer, franchement? Ben, le technicien son. On se retrouvera la caméra à son micro. Et vous êtes pas bien? Bah si, mais quoi? Vous savez combien ça pèse, ce bazar? Apporter toute la journée, au soleil, dans le sable, sans compter les efforts à faire pour que les candidats m'oublient un peu et arrêtent de faire leurs intéressants tout le temps. Et c'est lui qui fera ça tout seul. Laissez-moi. Mais je suis obligée! Elle a raison, ça va bien trop lourd pour moi. Mais je sais pas comment faire autrement. On va faire la grève, tous ensemble contre la production. Vous avez raison! Allez, tous ensemble! Et où est le producteur? Ben, dans ce bureau, il m'a dit qu'il arriverait dans 5 minutes. Ça fait combien de temps? Ça fait 10 minutes. Oh, salut! Qu'est-ce que vous faites encore là? On va dire au producteur qu'on va continuer l'émission coûte que coûte. On fait la grève! Ah bon? Oui. Mais... C'est bizarre. C'est bizarre, ça. Pourquoi? Bah, le producteur nous a dit d'aller chercher nos valises. Le bateau part dans 2 minutes. Ah! Il voulait nous abandonner! Oui. Ah, il a dit que l'émission s'arrêtait et qu'il fallait vite partir parce qu'on n'y avait plus les moyens de rentrer. Quoi? Ça se passera pas? Ville. Non, ça se passera pas comme ça. Mais les valises! On n'a pas le temps! Il est peut-être déjà loin! Bon, désormais, tu peux encore rester éliminée, moi. En tout cas, c'est sûr, moi. Allez. Mais il faut la tête au fromage, je vais me faire une victoire directe. Ouais, enfin, on ne voulait pas.
pas de leur dire qu'il y a quelque chose, sinon vous ne pouvez pas chez moi pour le reste de l'aventure. Oh, je t'aime, enfin. S'il te plaît, donne-moi à manger. Pas question, c'est pour le jury. Il faut que les animateurs vantent les saveurs de mon plat devant les caméras. Et alors, je serai célèbre. N'oublie pas de leur dire. Mais comment tu as réussi? Mais comment tu as réussi à faire du feu? Eh bien, j'ai pris un tas de bois, pris des pierres pour faire des étincelles, et ensuite j'ai mangé un morceau de fromage. Et ensuite, eh bien, il m'a suffi de me friter avec une étincelle. C'est un coup de plan B pour la télé, c'est sérieux? Bah, les briquets, c'est comme ça que ça marche aussi. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas encore nous parler de ta mère? Je l'ai pas. Ce ne serait pas mes animateurs. Ok. Ah si, il y a le caméraman derrière lui. Et dans le sud du champ. Il nous a parlé. Allez, maman, revenez. Eh oh, revenez. Ma carrière est finie. Qu'est-ce qui va nous arriver? Bon, il faut... Oui, il faut qu'on soit dans la bonne pour nous. Bah voilà, vas-y grand-mère, régale-toi. De toute façon, ma carrière est finie. On va tous mourir. Actuellement en pleine traversée de l'océan suite à l'émission Survivor Raclette qui, depuis des semaines, comme vous savez, a fait un flop sur Super TV. Donc celle-ci a été arrêtée. Nous avons aussi appris grâce aux fans de l'émission et ainsi à des pères de famille que les candidats ont été abandonnés par l'équipe de production. Mais dépêchez-vous, enfin ! Qu'est-ce qu'on peut ? C'est dans l'espoir de sauver. C'est dans l'espoir des naufragés que cette idole s'est battue sans relâche pour sauver ses idoles. Oui, enfin, surtout pour sauver Michel. Il est tellement fort. Ce qu'elle fait, elle n'a même pas de l'eau. Qu'est-ce que je raconte, celle-là, où je suis en bateau au moteur? Michel, je dois avoir des sauver. C'est accompagné de deux courageux marins qui nous lancent cette aventure hors du commun. Je vous ai payé pour partir. Alors justement, comment avez-vous fait ce premier pour financer une telle expédition? Très simple. Par amour pour Michel, j'ai transformé mon restaurant pour vendre sa recette à mes clients. Et vous voulez dire un peu crevettes, ça a eu du succès? Non, aucun. Okay. Mais du coup, j'ai dû vendre mon restaurant.
Et c'est avec cet argent que nous allons le sauver. Quel dévouement. Oui, avec lui dans les cuisines, c'est le succès assuré. Vous êtes sûr de vous? Vous êtes sûr de vous? Je suis sûre que si la première fois la recette n'a pas marché, c'est parce que ce n'était pas le truc. Avec lui dans les cuisines, c'est le succès assuré. Eh bien voilà. Une aventure qui promet. Eh bien voilà, une aventure qui promet. C'est en vue. Nous arrivons, approchez-vous. Michel. Oh, voilà les secours. Oh, voilà les secours. Hé, nous autres. Nous pouvons voir. Nous pouvons voir l'émotion. L'émotion dans les yeux de notre rescapé. Magnifique. À vous, des mots à dire. Certainement, j'espère bien pour rentrer pour dîner. L'émotion parle tellement fort. Michel. Michel, où es-tu? Notre fan cherche toujours son idole. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est? Dis-moi, qu'est-ce que c'est cette odeur? Bien, on était du fromage et des pommes de terre en anglais. Ceci est ça. Michel? Ah, te voilà au pommeau. Mais attendez, qui êtes-vous? Attention, c'est au direct pour Instagram. Que faites-vous? C'est madame, je t'en dirai à Michel. Nous allons rouvrir un restaurant de raclette crevette ensemble. Ah oui, mais non. J'ai arrêté ça. On dirait que notre fan sera un peu rare. Comment c'est possible? Il faut que je te raconte quelque chose. Il faut que je vous raconte quelque chose. Pas. Ma recette a tué quelqu'un. Comment c'est possible? Gilbert n'a pas survécu à la raquette. C'est un plat aussi bon. Mais merci de nous avoir sauvés. J'aurais fait tous ces efforts pour rien. C'est avec beaucoup de peine. C'est avec beaucoup de peine qu'on apprend la mort de Gilbert. Celle-ci n'a pas survécu à son raquette. Vous deux, on s'en va. Si c'est pas cuisiné, je rentre chez moi. Mais madame, on ne peut pas les laisser là quand même. C'est moi qui paye, j'en ai ça. On va quand même pas les abandonner. C'est l'heure d'embarquer. Sortez tous de mon bateau. Ce n'est pas à vous. Bon, attendez, d'accord, raquette. Oui, d'ailleurs, il en reste de la raquette, crevette. Ça vous dit d'essayer? Oui, je sais. Venez, bon appétit. Vite. La photo. Ah oui, venez, il y a une photo. Hop là, vous venez là devant parce que moi c'est pas grave, je suis là tout le temps. Ouais, mais en groupe, tu vois, parce que c'est pas un grand temps. Allez. On peut s'applaudir. Oh,
on a tous un peu chaud, donc je vous propose de tout doucement... Voilà, on peut plus sortir. On peut plus sortir, c'est fini. Voilà, super. Voilà, je vous propose de passer dans le hall, le temps de les remettre en état, et puis on vous les rend. Et voilà, j'espère qu'ils ont... Enfin, je pense qu'ils ont passé une plutôt bonne année là-bas à Casem, donc l'année prochaine, on est encore ouvert. N'hésitez pas à venir. Avec des copains, des copines, des trucs comme ça peut être chouette. Et je vous souhaite une excellente soirée. Voilà, c'est tout pour moi. Bravo.